Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. Comme vous le savez, le week-end dernier, on a pu avec Sofiane jouer au bord du terrain juste avant la finale de la Coupe de la Ligue grâce à Konami. Encore merci beaucoup à Konami France, franchement, c'est des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, on est là pour découvrir les cadeaux que j'ai eus. Parce que oui, on a eu des cadeaux, alors très franchement... je ne pensais pas du tout avoir des cadeaux. Pour moi, c'était déjà un cadeau exceptionnel de faire ça. Le trajet a été offert, le logement a été offert, les places pour le match, bien sûr, ont été offertes. Et donc, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des cadeaux. Et on a eu des cadeaux, franchement, vous allez voir, exceptionnels. Mais quand je vous dis exceptionnel, vous allez juger par vous-même. Je ne suis pas en train de faire genre un teasing de ouf. C'est des trucs pour moi de malades mentaux. On va découvrir ça sans plus tarder, les amis. Bon, déjà, on a eu un sac Konami. Un petit sac. Alors, rien que le sac, déjà, il est collector. Parce que ce sac-là, tu le vois pas n'importe où. Tu le vois pas n'importe où. Et avec dedans, quelques petits goodies de Konami. Alors, c'est pas les plus gros cadeaux, mais ça fait toujours plaisir. Bien sûr, on va aller crescendo. Alors, on avait quoi? On avait quoi? On a eu... une écharpe de Strasbourg de la finale. Vous voyez, Strasbourg, finale de la Coupe de la Ligue avec Guingamp. Donc ça, cette écharpe, on l'a eu parce qu'après, on a été invité à la soirée privée de Strasbourg. Et franchement, je vais vous mettre des petites images. C'était excellent. Grâce encore à Konami, franchement, on a pu aller à cette soirée privée. Et quand vous arriviez, ils offraient donc une écharpe à chaque personne qui était là. Donc ça, c'était la petite aparté. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Déjà, bah, un petit t-shirt PES. PES 2019. J'avais encore jamais eu mon t-shirt PES, les mecs. Donc là, franchement, super content. PES 2009, il est super beau. Je l'avais même pas, je l'avais toujours pas, les amis. Le Luthor, il avait même pas son t-shirt encore. C'est chose faite. Ça fait plaisir. Ensuite, on a eu quoi? On a eu une écharpe. Donc, différente encore. De la finale, cette fois. Bah, avec les deux équipes, hein. Regardez ça, finale, Lille Métropole 2019, samedi 30. Donc ça, franchement, c'est pareil, c'est collector, ça fait super plaisir. Et vu que je suis vraiment une grosse saucisse, ben moi, avant le match, j'en avais déjà acheté une au bord du terrain. J'en avais acheté une avant le match. Et donc celle-là, les amis, eh ben, je vais la faire gagner. Je vais la faire gagner sur Twitter. Il y aura un petit concours Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, vous follow. Alors, c'est pas grand-chose, ça vaut 15 euros, voilà, je suis franc. Mais c'est collector, ça fait plaisir. Et je ferai un gros bisou dessus, je mettrai mon parfum, pipit, pour celui qui le gagnera. Eh ouais, les mecs, on fait pas les choses à moitié ici. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait un petit carnet. Petit carnet. Voilà. Mais regardez bien, je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, il est incrusté PES 2019. Donc ça, c'est méga collector aussi parce que... Perso, je savais même pas que ça existait, je l'avais jamais vu. Super content, ça va aller dans la collection. On a eu quoi? On a eu un jeu PES 2019. Cette version, je l'avais pas. J'avais moi, vous savez que j'ai la version collector avec Beckham dessus. Donc celle-là, je vais pas la faire gagner. Je suis désolé, Sofiane, il a fait gagner lui. Moi, je la fais pas gagner parce que j'ai envie de la garder sous blister. Et ça va aller dans ma collection derrière, ma collection des PES qui sont là. Il m'en manque quelques-uns. Mais ça va aller dans ma collection. Plac. Ensuite, on avait quoi? On avait des petits stylos. Des petits stylos. Hop. Des petits stylos PES 2019. Hop, je vous montre. Tac. PES, Power Football. Donc, deux stylos. J'en fais gagner un aussi avec l'écharpe. Le gagnant gagnera aussi un petit stylo. Alors, c'est pas grand chose. Mais les mecs, c'est collector. Et c'est ça qui est important. Tac. Ça va là. Donc là, c'était les cadeaux sympas. C'était le cadeau sympa. Là, on va passer déjà à du très, 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 très lourd, les mecs. Ah là, c'est Over the Rainbow, The Sunny Delight, etc. J'ai oublié de vous dire, attendez, avant de passer au cadeau Over the Rainbow, je sais pas quoi, j'ai aussi eu un petit drapeau des gagnants de Strasbourg. Bim, ah, c'est normal, hein. Moi, j'ai représenté Strasbourg. Hein. Donc, bim. Le petit drapeau qui fait plaisir, collector également, hein. Drapeau c'est marqué, hein. Strasbourg, Guingamp, la finale, tac, avec le petit truc, donc ça fait plaisir pour un collectionneur comme moi,
Et donc là, on passe au top. Comme vous pouvez le voir, je collectionne les maillots. Ceux qui me connaissent le savent. Et là, on a eu... Sofiane et moi, on a eu chacun un maillot. Lui, Guingamp, puisqu'il représentait Guingamp. Moi, Strasbourg. Du coup, on a eu des maillots uniques, les mecs. Personne ne peut avoir le même maillot. C'est impossible. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc, maillot de Strasbourg. Vous allez me dire, oui, bon, bah, maillot de Strasbourg. Sauf que déjà, vous pouvez voir qu'au milieu, c'est marqué finale. Il y a le petit flocage de la finale. Donc déjà, ça se trouve pas n'importe où. En plus, il y a le petit badge de la Coupe de la Ligue. Ça, c'est pareil, normalement. On ne l'a pas dans le commerce. Mais il y a autre chose aussi qui fait que ce maillot, il est unique. C'est qu'il est floqué, les amis. Et il est floqué quoi? Il est floqué finale 25. Le flocage officiel de la finale. Puisque, normalement, les Strasbourgeois jouent avec un maillot... donc le même, mais floqué en blanc. Là, ça, c'est un flocage spécial pour la finale. Vous voyez, il est couleur or. Et vous allez me dire, pourquoi finale 25? Pourquoi finale 25? Bah, tout simplement parce que c'est la 25e finale de la Coupe de la Ligue. Donc ça, maillot unique. Et un truc très marrant qui le rend encore plus unique, c'est qu'il a un défaut, les mecs. Et vous savez très bien que dans les objets de collection, quand il y a un défaut, c'est encore mieux. Et donc, regardez en bas, sur le flocage BKT, vous savez qu'il y a un défaut en bas. Regardez là, ça fait une espèce d'écriture en surimpression. Et donc ça, un petit défaut. Ben moi franchement, je suis super content qu'il y ait ce petit défaut. Je suis super content. Donc là, il reste deux cadeaux. Donc là, on est déjà très très haut, hein, maillot collector. On a eu également le ballon de la finale. Le ballon de la finale que moi, je trouvais vraiment magnifique. Donc c'est un vrai ballon, donc à pas jouer forcément. Mais un vrai ballon de la finale, vous voyez, FIFA qualité, on a le numéro, etc. C'est le vrai ballon. Le vrai ballon, c'est pas une copie, c'est vraiment un vrai ballon. Donc déjà, très fort, hein, très excellent d'avoir ce ballon-là. Mais en plus, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte. On a joué notre match avec Sofiane, et derrière nous est arrivé, en surprise, Didier Drogba. Vous l'avez très certainement vu, puisque j'ai mis la photo partout, forcément. La légende Didier Drogba. Et c'est lui qui nous a remis les cadeaux. Il nous a remis la sac, il nous a serré la main. On a fait la photo que vous voyez là. Très content. Et là, moi, Sofiane pourra vous le confirmer. Direct, j'ai vu Drogba, j'ai vu le ballon. J'ai fait, il me faut un crayon. Il y avait des photographes qui nous prenaient, tac, de la ligue, je sais pas d'où. J'ai sauté dessus, je dis, qui c'est qu'un crayon? Un mec, bah moi, je crois pas, je lui ai sauté dessus, j'ai pris le crayon. Je suis retourné voir Didier Drogba. Allait partir parce que c'était juste avant le match, hein, le coup de sifflet, les joueurs ils allaient rentrer. J'ai demandé à Didier s'il pouvait signer le ballon, et les gars, il a signé le ballon. Donc j'ai un ballon unique signé par Didier Drogba. Donc bah pas unique parce que du coup il y en a deux, on a Sofiane et moi, on a le même, et du coup avec l'authenticité puisqu'on a la photo qui prouve que c'est bien Didier Drogba qui a signé. Et ça, les amis, ça a une valeur exceptionnel pour moi, des souvenirs de fou, puisqu'on a eu la chance de faire ça grâce à Konami. Encore une fois, je les remercie. Et en plus, on ramène plein de souvenirs, bah exceptionnel, collector, tout ce que vous voulez. C'est pas fini, les amis. Si vous avez bien compté, il reste un cadeau. Et là, le dernier cadeau, c'est un truc de fou, puisque en fait, la ligue qui a organisé la finale, hein, la ligue nous offre à Sofiane et à moi une saison complète pour aller supporter une équipe de notre choix de Ligue 1. Et donc, forcément, j'ai choisi le PSG. Alors là, vous allez me dire, bah pourquoi t'as choisi le PSG? J'habite en région centre, c'est le club le plus près de chez moi d'une. De deux, bah c'est là où il y a le plus de spectacles en France. De trois, j'ai un abonnement. Si je prends ailleurs, je vais y aller tout seul. Là, Sofiane, lui, il est fan du PSG. Donc forcément, lui, il a pris le PSG. Comme ça, on pourra y aller ensemble. On a gagné un abonnement d'une saison au PSG, les amis. C'est exceptionnel. Merci beaucoup encore une fois à Konami et à la Ligue. Puisque ça, c'est un cadeau pour vous donner un ordre d'idée qui coûte entre 500 et 1500 euros suivant où on est placé. Et on ne sait pas encore où on va être placé. Vu que c'est la Ligue qui nous l'offre, je pense que les places de la Ligue, c'est pas dans les virages, ça doit être très bien placé. Donc là, c'est un cadeau exceptionnel. Voilà les amis, vraiment, on a vécu un week-end de fou. On a très peu dormi, mais on a tellement profité. Merci à vous, puisque c'est grâce à vous,
qui nous mettait en avant du coup sur YouTube, qu'on a pu faire ça aussi. Merci mes amis, je vous fais d'énormes bisous mes petites merguez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt, ciao les potos. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car ils font battre le temps.